L'usage de drogue, puis son overdose, avait maintenu Randy Hicks dans les ténèbres depuis très tôt dans son enfance. Il avait grandi avec 8 frères et sœurs dans l'Illinois rural avec très peu de surveillance parentale. Je me suis défoncé à 8 ans, avec 2 de mes frères plus âgés, dans le garage. C'était la première fois que je fumais de la marijuana. Je ne l'oublierai jamais. Et j'avais aimé ça. Les frères de Randy cachaient la marchandise dans le fond du jardin, dans leur sac à dos ou même sous leur matelas. Un jour, j'ai trouvé de la poudre blanche, de la cocaïne. Je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis dit que c'était tout bizarre. Puis un jour, j'ai vu mon frère en sniffer. Alors j'en ai sniffé aussi. Arrivé en secondaire, lors de ma première année, beaucoup en vendaient pour se faire de l'argent. En terminale, j'en vendais moi-même des quantités. Après l'obtention de son diplôme, Randy s'enrôla dans l'armée. J'ai fini tankiste, membre d'équipage de véhicules blindés, et j'ai été envoyé à Fort Irwin en Californie. Là-bas, c'était le cristal qui était en vogue, et je me suis mis à traîner avec les mauvaises personnes. J'ai bu de plus en plus, puis je me suis mis à vraiment consommer du cristal. Mon Dieu, comme j'étais accro. Je ne pouvais pas vivre sans. Je baignais dedans depuis le matin à mon lever jusqu'au soir quand je me couchais. J'ai vendu mes affaires pour m'en payer, puis j'ai été envoyé en désintoxication. Pour finir, j'ai été renvoyé de l'armée. J'étais vraiment ennuyé. J'avais eu une belle occasion de repartir sur de meilleures bases, et là j'étais retombé dans la drogue. Les choses ne firent qu'empirer. Randy passa un an en prison pour le cambriolage d'une station d'essence. Il était tellement défoncé qu'il ne se souvient même pas d'avoir menacé le caissier d'une arme. À sa sortie de prison, il fit une overdose. Il n'avait que 27 ans. Ils me couvrirent d'un drap blanc parce qu'ils étaient persuadés que j'allais mourir. Puis ils ont appelé ma famille. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai eu une intense frayeur parce que je me suis vu recouvert d'un drap blanc. Les médecins remarquèrent que Randy était toujours vivant. Après de nombreux examens, il put quitter l'hôpital. Mais même cette expérience de mort imminente ne suffit pas à lui faire reprendre le droit chemin. Randy se maria, mais ni son usage d'alcool ni sa dépendance à la drogue ne cessèrent, ce qui conduisit à la ruine de son mariage. En 1997, la femme de Randy le quitta avec ses 2 jeunes enfants. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke, plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, libère-moi de mes dépendances, prends-les toutes. Ne me laisse pas aller en enfer, pitié. Je le suppliais, je pleurais, je faisais tout ce que je pouvais. Puis au moment où j'ai regardé ma porte, elle s'est ouverte. Et j'ai vu une longue robe blanche et brillante. Il n'y a pas de blanc semblable dans le monde, c'est indescriptible. Et j'ai su. J'ai su sans l'ombre d'un doute qu'ayant invoqué Jésus, Dieu était intervenu pour me sauver. Depuis cet instant, je n'ai eu de cesse de connaître Dieu. Je voulais connaître Jésus. Je voulais connaître celui qui était venu me chercher alors que je savais sans le moindre doute que je devais aller en enfer. L'addiction de Randy à l'alcool et à la drogue fut immédiatement remplacée par une faim et une soif de Jésus. Je voyage pour raconter partout comment Dieu m'a tiré de là, ce que j'ai traversé et ce que ça peut vous faire, pour dire que Christ est la réponse. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, il est là et il est prêt à vous accueillir, à vous pardonner tous vos péchés. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.